Yo les petits potes, les gars, c'est Noah. On se retrouve pour une toute nouvelle carrière. Je l'avais fait, Charleroi. Mais je la recommence. Pourquoi je la recommence? Parce que c'est ces putains de sauvegardes, les gars, ils marchent pas. Ces putains de sauvegardes, les gars, je m'en suis appris à ce FIFA de merde. Le jeu est truqué. Quand tu fais rond plus sauvegarder, automatiquement quitter, ça ne va pas. Du coup, il faut sauvegarder plus quitter. Ouh, les gars, je ferai plus cette erreur. Du coup, les gars, on est parti pour la carrière de cœur Charleroi. La carrière de cœur Charleroi, les gars. Hop, rapport du centre de formation. On va voir si on a des petits cracks. On a lui, Hansen. Hansen, les gars, il a des stats comment? Il a de vitesse et du physique. Il peut être milieu droit, puisque nous, on va jouer milieu droit avec des milieux et tout. Allez, le petit Hansen. Lui, littéralement, il sera pourri. Lui, en fait, les deux là. Et lui, faut voir. Faut voir. Parce qu'il peut prendre des petits points et tout. Klaassen, les gars. Nous, on joue pas le grand titre. Voilà, les gars. On n'est pas des grands trucs. Et Ivanov. Ivanov, les gars, le russe. Russe, pourquoi on a des Russes dans notre équipe? Nous, on est pour. Attendez, je vais me mettre en t-shirt parce qu'il fait un peu chaud dans mon truc, les gars. Pour vous dire qu'il fait un peu chaud. Bon, les maillots, ils sont beaux. Cette année, les gars, les maillots. Allez, Charleroi, nous sommes les Carolins et nous allons gagner. Moi, je sais pas si c'est cette musique, mais je pense que c'est un peu du style, là. Ok, je sais pas. Voilà. Du coup. Notre vision, nos attentes. On va faire un peu tout ce qu'on a. On va faire 15 saisons, bien évidemment. On va faire les full saisons. Ok. En 2 saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison. Sont 2 restants. Je pense qu'on va. Ben, on va mettre des recruteurs, les gars, en Belgique, bien évidemment. À Charleroi, on veut des grosses pépites qui viennent de Charleroi, les gars. On va dire en réalisme que ça va être des joueurs de Charleroi. Et on va les faire progresser. Ils vont aller en équipe première de la Belgique, les gars. Je vais vous dire, les gars, on va avoir des joueurs, les gars. Ça va être des futurs De Bruyne et tout, mais de Charleroi. Ok, obtenir 7 matchs sans but encaissé. En match de championnat à domicile. Bah, ça, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Finir bien classé. Finir bien classé, déjà, c'est pas la position actuelle, c'est pas 4. C'est 11. Du coup, on va être au milieu de tableau. On essaye d'aller en truc de champion. Un tas de les quarts de finale. Ok, ça c'est good, good. Et ok, allez. Allez, le premier rapport est déjà venu. Nous, on va prendre que des pépites. Pérez. On prend que des pépites. Attendez. Oh, deux poitres! Il date, lui. Il date, le petit deux poitres. Et il a une bonne vitesse. Il a une bonne force. De poitrine date. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, mettre un centre de formation. On a des petites pépites dans notre club, mais pas assez. Personnel jeune, on va mettre des 5 étoiles. Par contre, lui, les gars, je licencie. Voilà, 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles, les gars, 5 étoiles. 3 mois, les gars. 3 mois, 6 mois, allez, 6 mois. J'espère qu'on aura assez pour recruter. Manière, on va vendre, les gars, on va vendre. On a 15 millions. J'espère qu'on va vendre, on va vendre. On va vendre, les gars, vous inquiétez pas. On va vendre pour recruter des petites pépites. J'ai les petites pépites en tête. Pour l'instant, les gars, là, je vais mettre que des plans de développement à ceux qui en ont besoin. Kofi, il a un bon petit potentiel. C'est pas qu'il est nul, mais ouais, il a un potentiel pas mal, mais il peut pas arriver jusqu'à 80. Pas mal, pas mal. Kofi, tu vois, c'est mon gars sûr, c'est mon gars sûr. Il est chaud, sa mère. Il est chaud, il est. C'est un badass. C'est un badass. Patron, les gars, il a pas un gros potentiel. Pierre, qui son ancien club, c'est Clermont. Ok, ouais, par contre, ça, c'est un peu pourri. C'est un peu pourri, les gars. C'est un peu pourri, les gars. Matteo, Chiachig. Kayambe, les gars, Kayambe. Lui, les gars, je délégué nos négociations. Il va rester encore 2 ans, ce monstre de Kayambe, les gars. Je vous ai dit, bagueur. Je sais même pas son potentiel. Je vais voir sur Sofifa, je pense. C'est player, ouais.
Bon, il n'a pas un gros potentiel. Attends, je vais voir vite. Bon, il n'a pas un gros potentiel. Attends, je vais voir vite. Ok. Le micro est pas mal. Chiliu Andreu, je vais voir son potentiel. Mais il doit avoir un bon potentiel. Il a 19 ans. Andreu. Ouh. Ok, pas mal. 76 de général. Wazinski, on connaît. Wazinski, les gars, on va faire jouer Wazinski. Wazinski, les gars, on va le faire jouer en coupe, on va le faire jouer un peu partout. C'est vraiment un monstre, Wazinski, mais là, on va le faire progresser Bouvipier. Comme ça, moi, quand il sera relayeur, comme ça, il pourra faire tourner à droite. Et il faut travailler aussi son endurance, parce que il va faire un match, 10 minutes après, il sera KO. Loïc, qui vient du Togo. Du Togo, je vais voir aussi son potentiel. Si je vois qu'ils ont pas un potentiel de fou. Qui est pas un potentiel de fou, mais voilà. Bon, il va faire sa saison ici. Knezevic, lui, pareil. Boukamir, pareil. Je pense pas qu'il y a un gros potentiel. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Bouka. Ok, pas mal en vrai, les gars. On va le mettre en plein développement. Parce qu'il peut avoir un petit avenir. Enfin, sur le banc. Sur le banc. Parce que passe. Je vais mettre des passes parce que les gars, passe les gars, 32 passes, c'est injouable. C'est injouable, les gars, il faut au moins minimum des passes. Lui, les gars, il a un potentiel pas mal. Pas mal, pas mal. En plus, les gars, c'était catastrophe avec Steel Edouard. Je peux vous dire que les gars, c'était une catastrophe. Une catastrophe féerique. Karamoko, lui, je le vends. Je le vends, je le vends. Oze, ouais, ok. Tiens, tu vois, lui, il a un potentiel pas mal de 75, un truc comme ça, qui est pas mal. Il a une vitesse de fou, par contre. Pardon, il a une vitesse de fou. Il a une vitesse de fou. Il m'arrêtera, les gars. Juste, voilà, c'est un malgache, les gars. C'est un petit malgache. Marco, le petit Marco. Marc, les gars. Bah, il va rester sa saison, pour le faire plaisir. Zorgan, les gars, c'est la pépite. Sa pépite. Il est complet en fait. Je mets juste technique comme ça. Mon frère, il est full. Full, full, full. Morioka, les gars, un petit japonais. Petit Ryota. Ryota, il veut jouer. Hein. Des, un petit Tirania. Petit Tirania. Eymans. Nkumba, lui aussi, il a un potentiel pas mal. Je vais voir son potentiel, le petit combat. Ça, 76 de général comme potentiel, les gars. Je peux vous dire que c'est pas mal. Je peux vous dire que c'est pas mal. Benza, les gars, c'est. C'est pas la folie, c'est pas la folie. Je trouve une pépite, les gars, je le mets déjà numéro 7. Mbenza, les gars, dans 1 an ou 2 ans, même pas là, cette année, les gars, je trouve plus de valeur, je le vends direct. J'ai rien contre toi, hein, mon petit Isaac, mais bon, Golizade, par contre, toi, je t'aime, mon petit Golizade. Je l'aime, le petit Golizade, du coup, bah, je le mets. J'aime bien Golizade, c'est un joueur avec du potentiel, enfin, pas de potentiel. Mais je veux le travailler ses mauvais pieds. Je travaille ses mauvais pieds. Une femme avec un cadeau. Une bolie, ouais. Bon, en vrai, l'attaque, les gars, il faudrait recruter un gros, gros, gros qui pète des buts parce que. Dans la guerre que j'ai vue, les gars, ils savent pas claquer des buts. Quand tu regardes, ils savent pas claquer des buts. Les trois là, ils savent pas claquer des buts. Genre, c'est pas des claqueuses de buts.
C'est pas des folies, c'est pas de la folie. Je peux vite les gars par ces pas-là. Du coup, je commençais déjà à faire le premier entraînement. Parce que les gars, il faut les faire parce que sinon on a des trucs de merde. Parcours de dribble, ok. Concentrer les gars, je vais me concentrer. Le Zenzaide, au Zenzaide. Ok. Cette année, les gars, là, je joue en 6 minutes et je me suis mis en champion, je pense. Je pense que je me suis mis en champion. Oh oui les gars, remarquable. Dernière seconde remarquable. Je me suis concentré. Hein. Moi je vais avoir des A partout. Ça je vais être le... Oui bagueur, oui bagueur. Les gars, je me suis un peu amélioré niveau de défense. Ouais là il va marquer. Voilà, voilà les gars, 1000 points. Oui, oh oui. Mais pourquoi les gars, ils sont chauds, les gars. En entraînement, les gars, ils sont chauds. Ah, les gars, la défense, les gars, c'est tellement dur. Voilà. Mais je devrais faire une pause entre-temps, les gars, parce que je devrais aller manger. Ce con, bah voilà, frère. Pourquoi ça devrait me donner au moins des points? Voilà. Remarquable. Moi je veux tout des A les gars. Moi je veux tout des A, je vous ai dit. Tout des A, je prends mon temps. Je fais B, je commence, je dis que je peux faire mieux. Je vous ai dit les gars, petit trio. On va jouer à 3 défenseurs. Hein. On va jouer à 3 défenseurs. Même si on n'arrive pas. C'est la compo. Qu'est-ce que tu me fais? Un combat. Combat. Écoutez, passe, niveau passe, les gars, améliorez-vous. Je sais que c'est une équipe un peu. C'est pas fou. C'est pas une équipe. C'est pas la meilleure. Hein. Il y a des petites qualités. Il y a des petites qualités, mais c'est pas la meilleure. Vorace. C'est ma dernière truc, je pense. Les gars. Non, moi je veux recommencer. Mais je veux recommencer. Mais vos mères, mais je. Ils sont à chier. Pourquoi je mets. Isaac, c'est bon, il est éclaté, Isaac, c'est bon. Vos rêves, vos races. ta gueule, et ta gueule. Même s'il y a du boulot. Là, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je commence déjà à rager, les gars. Je commence déjà à rager. Je fais deux superbes A. Et non, faut que ça coupe. Faut vorace. C'est bon. Depuis quand c'est un défenseur qui fait ça? C'est bon, mais c'est quoi ces petites crottes? Ok, Ben Boili, faut que tu marques.
Pourquoi c'est Wazinski? Pourquoi c'est Wazinski? Mais... ouais, moi, je recrute un nouveau attaquant. Un nouveau buteur qui claque des buts. Mec, c'est quoi ce bordel? Je vais péter un câble. GB, mais frérot, je vais péter un câble. Bah, les gars, c'est abusé. Trop nimpé. Ça, les gars, vous allez voir, je vais pas réussir. Ah, c'est vorace, vorace. Je vais péter un câble. Hop là. En fait, ça m'a fait rager le F. Le F, les gars, d'habitude, je fais des B, des remarquables. Moi, je m'en fous. Genre, putain, un gros buteur qui claque des buts. Je vais créer un buteur qui claque des buts rapide. Frérot, regardez ces lents, regardez ces lents, frérot. Ça m'étonne pas qu'ils arrivent à rien. Pff, quelle force, quelle force. Ok, ah, ok, un petit A, double A, je pense. C'est le F, les gars. Le F, les gars, je le recommence. Je le recommence. Je peux pas me quitter sur un truc. Ciao, tchak-tchik, les gars. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Mais s'il y a de l'avenir, je pense qu'il vient d'un centre de formation. Il vient d'un centre de formation. Mais les 200 000, voilà. Du coup. Écoutez, pour l'instant... c'est buteur. Buteur qu'il faut, je pense que... un buteur, il est pas rapide, il a pas de tir. Il a que de lui physique. Pas de geste technique. C'est injouable. C'est un buteur injouable, les gars. C'est un buteur injouable. Perso, regardez, même lui, il est pourri. Golizade, les gars, je le mettrai à la place de Mbenza. Mbenza, je le retirerai, je mettrai Zorgan. Van Klembout, je le mettrai... à la place de Bagger, parce que Bagger va rien m'arriver. Et Tchatchoua, je le mettrai à la place de Nkumba. Voilà. Voilà un peu ma compo type. Pourquoi pas un Morioka ici. Ou alors un Morioka. Bah, Ayman, s'il est meilleur que Ben Boali, hein. Enfin, que aux NZD. Écoutez, moi je vais prendre des nouveaux trucs. Ok. J'ai des petites pépites, on va voir de suite. Ce que j'avais mis dans ma galerie, je sais même pas, il vaut quoi lui, le celui que j'ai mis en screen. C'est un buteur. Ok, c'est Félix. Là, les gars, ça va être mercato, entraînement. Le pré-saison, désolé, les gars, je le joue pas. Désolé, il y en a plein qui le font, mais les gars, peut-être un match pour t'aider juste l'équipe. Voilà, c'est lui. Afiane Gian.
doté d'un énorme potentiel. Pas mal, lui. Pas mal, pas mal. On a un MC MOC, Lazar Samar. Un Ghanéen. Un Ghanéen, ouais. Samar. C'est lui, 20 ans. Un petit Serbe, les gars. Ben, les gars. Il joue en Serbie? Ok, bon. Ok, Lazar Samardzic. Smudic, je sais pas quoi. On a qui d'autre? En vrai, on avait des autres. On avait des... Ouais, là, là, des petits cracks. Pas cher, mais bon, bon, bon. Oumar Solette. Solette. Il y a beaucoup de cracks, les gars. Il y a beaucoup de cracks. Doté d'un énorme potentiel. Ça veut rien dire. Vous savez pourquoi? Ça veut rien dire. Les dotés d'un énorme potentiel. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que ils peuvent progresser plus haut que son truc. Ablin aussi. Ablin qui peut être pas mal. Ablin. Moi, il me faut un gros, un gros, un. Un gros, un gros, un gros, un gros. Qui claque des buts pour. Parce que quand j'ai vu, quand je joue en champion, les gars, moi, je savais pas marquer des buts. Ok, Ablin. Lui, c'est. Oh, Macho y Bobo. Il a un peu un nom bizarre, c'est Match. Ouais, bon, je vais vous montrer. Après ce jour-là, j'allais faire un petit caca. C'est lui, le petit crack. Voilà, lui aussi. Faut prendre des petits cracks comme ça, là. Ça sort de nulle part. Ils ont des bons trucs. Bon. Après, on va faire encore les entraînements et après, on verra ce qu'on fait avec Filipe Mazzu. Mazzu, c'est un peu un espagnol italien, du coup. Si on trouve des petites pépites italiennes, ça serait pas mal. Miretti, on sait bien qu'on t'aime. Petit Miretti, mais bon. Vas-y, attendez, je reviens à tout de suite, les gars. Je reviens. Comment il fait chaud! Écoutez, je suis de retour. Je suis de retour. Je suis là!
suis soufflé parce que les gars, je dois monter 2 étages. Cet exercice, les gars, très hypersclean. Chaque fois, j'ai un remarquable. Après les gars, je vais manger et après je reviendrai. Parce que oh là. C'est carrière emblématique, les gars. Carrière. Plutôt, les gars. On est là pour bah, les gars, on est là pour juste parce que c'est ma carrière de cœur. Une équipe de cœur de Belgique, parce que moi j'habite en Belgique. On fait ça, parce que tout le monde fait ça en carrière, hein. Ils prennent le club de cœur. Mais moi je voulais avoir la meilleure équipe, du coup je prends que des pépites. Enfin, c'est pas réaliste, hein. Nous, on veut juste être comme ça. Ça, les gars, niveau passe. J'aime pas parce que passe, ils sont pas ouf. Hein. Niveau passe, ils sont dégueulasses. Pour l'instant, ça peut plutôt aller. Hein. Voilà, là c'est déjà. Voilà, remarquable, double remarquable. Et après, normalement, je devrais sûrement aller grailler parce que voilà, il cuit juste. Trop là! Niveau frappe, les gars, ils sont pas ouf, mais. Les gars, double. Oh. Voilà! 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 Les gars, ça c'est un peu dur, du coup, pour l'instant, on reste en C. On reste en C, les gars, mais manière, même si on fait pas les entraînements, ça peut progresser, mais ça progresse moins vite. Ça progresse, mais moins vite. Et on aura des trucs vraiment y aller là. Là, quand vous regardez ce tranchant, il n'est pas ouf. Mais il commence à progresser puisque. Il commence à faire les entraînements. Wesh, le premier match. Je suis là, les gars, simulants. Ils ont du Haribo. Mais je connais pas. Je connais pas. Et il faut commencer déjà à faire un peu les recrues. Bon, ils nous ont baisé, frérot. Je compte pas avoir un peu d'argent, mais. Si j'ai de l'argent, c'est pas mal. Si j'ai de l'argent. Là, en fait, voilà. Dans bureau, on a 14 millions. Enfin, on peut se faire un petit budget. Je vais aller voir des petites pépites. Parce que moi, j'ai un truc. On a Lavia, bien évidemment. On a le Roméo. Lavia, il a un potentiel de ouf. Lavia, il coûte vraiment pas cher, mais il a un potentiel pas mal. Juste à le faire beaucoup jouer. Manière, on a une équipe. Plutôt à sa hauteur, il a 66 de général. Et j'ai envie de que ça foire pas. Ah, puis c'est un Belge, les gars. Petit Lavia. On a Sekoumara. On a Sekoumara. Petit Mara. En fait, il nous faut un buteur, tout simplement. Un buteur, pourquoi pas aussi un petit. Pourquoi pas aussi un petit. Un petit. Un petit défenseur. Bilal Elkanous, 18 ans, il a un petit 82. Ah oui, on a Facundo Farias, les gars. Il peut être vraiment intéressant, Facundo Farias. C'est Farias. Facundo, non. Facundo Farias, 19 ans.
accroché pour Hertha Berlin. Il est grave pas mal, hein. Le petit Facundo Farias. Il nous faut ici un petit défenseur. Hein. Défenseur, les gars. Je pense faire un petit défenseur. Player. Poste. DC, puisque moi je me vois. Et des petits cracks en DC, les gars. On va voir de suite des petits cracks en DC. Et puis après, quand je reviendrai de manger, on va commencer déjà à faire un peu des petits trucs. On va aller au plus bas, comme ça au moins on va voir leur. Soirée, potentiel de merde. Potentiel de merde. Potentiel... Il faut au moins un potentiel de 80. Oui! Ouais! Oui! Je reviens, les gars. J'arrive.
suis là, les gars, je suis là. Il fait chaud, j'ai un. Il fait chaud, les gars. Il fait chaud, bâtard. Je suis là, les gars. Comment allez-vous? J'ai un joueur qui peut être vraiment pas mal. Mbamba. Il aura de belles perspectives, ça veut dire. Voilà, il a un bon potentiel. Et comme gardien, en cas où, c'est Van. Wurt, mais attendez, j'ai un autre. Je regarde. Lenin, le potentiel de Lenin. 84 de potentiel. Ok, pourquoi pas Lenin? Lenin, ça peut être aussi pas mal. Parce que les gars, moi, je vous ai dit, Andriy Lenin, les gars, on va faire un peu un big up aux Ukrainiens. Il doit avoir 15 millions. Il a plus de potentiel, mais Lenin, on connaît qu'il avait un. Il pouvait être pas mal. Et voilà, les gars, je vais vous montrer un peu ma liste. Ma liste, on a Afenagian, Smazdrich. Lui, il faudra améliorer ses techniques. Il est rapide, très rapide. C'est juste qu'il faut juste améliorer ses gestes techniques. On a Samardzic. On a Solet en défenseur, parce que pourquoi pas aussi recruter un défenseur centraux. Plus un défenseur centraux. Mbamba. Voilà, on a juste Mbamba, tout simplement. On peut juste renforcer un peu ce truc. Hop là. Ah, il se casse. Je m'en fous, j'ai de la thune. Pose du sectionneur vendu. Offre de transfert pour Morioka. Morioka, les gars, c'est mon gars sûr, les gars. Je vous ai dit, les gars, c'est vraiment un joueur qui connaît la truc de l'expérience. Qui connaît un peu les des trucs, il connaît Fichimazu, il connaît plein de trucs, il connaît la ligue, il connaît la ligue belge. Voilà, mais en plus on a des crackous, je suis obligé de faire les entraînements. Accéléré, Golza dépasse, Zorgan frappe, c'est but. Ça doit rentrer, ça. Gouzadé. Claqué. Il est éclaté là, il faut que je. Voilà, remarquable, les gars. Remarquable. Je joue des remarquables à gogo. Oh non, ça, les gars, j'aime pas. Okay. Wow, cadre. 1000. Je vous ai dit, les gars, là, on va faire un gros live. On va faire C, les gars, mais bon. Ça, j'aime bien. Les gars, ça, c'est un exercice que j'aime bien. Il est grave simple. Là, tu dois avoir au moins un remarquable. Dedans, les gars, c'est impossible que t'as pas un remarquable. Non, alors, regardez. Déjà, là, t'es déjà C. C'est impossible. T'es déjà B, les gars. Là, tu rattrapes l'autre. Remarquable, voilà.
Je le fais, hein, parce qu'au moins ça donne plus, je pense, de trucs. Moi, je l'ai baisé ses morts. J'ai baisé ses jambes. Oui, garçon. Pourquoi plus 3? Pourquoi c'est éclaté plus 3? Contre Ajaccio. Lenin. Je sais même pas si je vais l'acheter, Lenin. Oh, je mange un 5Z. Pense à Badji devant, ça va être mieux. Bon, 0. Wesh, un carton rouge. Abuse. Il s'excite, le bro. Ok, le Sporting CP veut Joris. Ben Joris, les gars, c'est mort. Joris, les gars, joueur. Pendant 2 matchs. Oh, Andréou, les gars, t'as fait quoi? T'as fait quoi, Andréou? Il a foutu quoi, Andréou? Ok, pour Diallo. Diallo, il peut être intéressant. Diallo, les gars, je peux le mettre, je sais pas. Je sais pas parce que. On n'a pas daté. On n'a pas. Enfin, en vrai, Van Klempout devant. Pour l'instant, je mets un petit. Pour ça, ils sont un peu contents, bof. Sont en bonne forme, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Faut avant gauche, au pire. Et avant droite. Avant gauche et avant droite. Au pire, on fait une autre compo à 3, à 3 trucs, mais là on fait. Parce que là en fait, là, il y a que des milieux droits là. Mais moi, en vrai, compo là, c'est la compo que utilise bah, Marseille. Voilà, c'est la compo qui utilise Marseille, mais c'est la compo de base, hein, Charleroi. J'ai rien changé. Mais il y aura des petits joueurs que j'aurais envie de faire. Afenagi-Gyan, je pense le prendre. Félix. Gagnien. Peut-être aussi Samardzic, je sais pas quoi. Ou lui. Il a que AD, Mossé. Peut-être intéressant en avant-droit. Il peut avoir des petits stats pas mal. Hein. En vrai, en avant-droit ou en avant-gauche. Très polyvalent. Par. Voilà. Juste. Il a une bonne agilité là, ça peut être pas mal, mais l'agressivité c'est. J'espère qu'ils vont vite, que ça va vite finir, parce que les entraînements, les gars, ça me saoule. Littéralement. Entraînement, les gars. Voilà, remarquable, c'est good. Oh non, les gars, ça, les gars, c'est un entraînement que je déteste. J'aime pas du tout.
Oh oui, les gars, oh oui. Je vais me faire baiser, frérot. Oh! Un moment, 400, frérot. Oh, fils de pute. Ils défendent comme des chiens, puisqu'on t'a une équipe de merde, frérot, face. Moment, faut que tu marques ça. Et ouais, mais pourquoi tu mets des cotes dans l'entraînement? Pourquoi tu mets. Pourquoi si tu mets des cotes? Bon, oh, la frappe, mon gars. Bon, la frappe, mon gars. Je vais dire, ça va être dur cette année. Ça va être dur cette année, les gars. Ça va être très, très, très dur. Ça va être très dur. Fais la passe, frère. Fais la passe. Bon, j'abandonne. J'abandonne. Ça me casse les couilles cet entraînement-là. Cet entraînement-là, les gars, on le passe. C'est pas grave. J'aurai un petit F. Mais compte vis écoutez 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 là il faut gagner faut gagner allez 3 2 1 Et je pense qu'on n'a pas reçu la coupe. Il fallait gagner. Il fallait gagner. Il fallait gagner. C'est dommage. Moi, je simule tout, les gars. Je simule pas tout. Peut-être premier match de championnat, je le jouerai. Peut-être premier match du championnat, je jouerai. Peut-être championnat, les gars, je le jouerai. Et c'est contre Malin. Malin? Martin Van Der Voort, tu penses? Fabio Silva, bon, je suis prêté. Pacho, je sais pas ce qu'il vaut. Rojas, mon gars, Rojas. Bon, pas pour venir pour Mbamba. Et toi, la petite, mais... Moi, c'est bon, les gars, on commence déjà à tout simuler. Hein. Fuck. Fuck.
Matisabline. Hop. Hop. Ok, du coup, maintenant, vu qu'on sait, on sait un peu les trucs, je vais aller faire un premier recrutement. On a 15 millions. Littéralement, c'est pas mal. 15 millions. À 3 millions. Non, pas close. À 3 millions 7, je peux l'avoir. 3 millions 7, les gars, si j'ai assez. Direct à un autre joueur. 3 800. Voilà les gars, voilà un petit beau mec qui a il peut prendre un plus 10. Il peut juste prendre un plus 10 les gars. Peut-être avec des potentiels de générique, il peut avoir plus 1 ou plus 2. Mais pour une année, ça peut être bon. Pour une année les gars, je vous ai dit. Voilà le truc de Philippe Chematsu. Le retour de ce beau gosse. Le retour de ce beau gosse. En vrai, les gars, crucial direct. Hein. Je peux direct le mettre. 5 ans, bien évidemment. Et on va le prolonger, puisqu'on va faire une. Après, ça dépend. Et oui, on ça a l'air pas fou. Pas... Bien, bien, bien. Et voilà, il rentre dans le club. Tu es RC, les gars. Et il a quand même bel égard avec. Voilà, il y a Moruka, le beau gosse. Combien ça va être? Combien ça va être pour lui? Un petit C, bon, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Il a quel numéro? On va lui mettre un bon numéro. Il a le 9. Il a le 9. En vrai, go lui laisser le 9. Go lui laisser le 9, les gars. C'est le titu, les gars. Il nous fallait un buteur qui est titulaire déjà dehors. Qui est titulaire. Parce que... Oh là 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 là. Il a un peu plus renard. J'ai envie que c'est lui qui tire les pénaltys et tout. Genre ça. Et lui, la star de cette équipe. Vraiment, je veux vous dire. Lui, les gars. Beau gosse. Tu vois, lui, les gars, je vais pas l'acheter puisqu'il a pas un bout de sel de fou. On va jouer le tout premier match. Voilà, Afena, les gars. Afena qui rejoint ce club. On va jouer ce tout premier match de championnat. André Lonin, Facundo Farias, Sekoumara, Romeo Lavia et Bilal Elkanous. J'ai envie d'acheter un nouveau. J'ai envie d'acheter un nouveau. Peut-être un défenseur central, les gars. Un défenseur central, il peut être intéressant, petit défenseur. Samar Zic, il a peut-être 80, 81, 82. J'ai envie de prendre un. Bilal Kanous, je sais pas. Nafarias. Ça sera trop cher. Farias, les gars. Pour 1 million 2, je l'ai. Ça va vraiment être des petites recrues comme ça, par là, puisqu'on n'a pas. Genre, on n'est pas le Real Madrid, du coup, on va prendre des petites pépites, on va les faire progresser. Et s'ils progressent plus et que je peux avoir meilleur. Bâtard. T'as eu quoi? 100 000, c'est 100 000, les gars. 100 000, c'est 100 000. Rotation. Mais c'est un fou. C'est un fou malade.
Allez, t'as 2000 de budget. Faut que t'arrêtes. Tu peux t'acheter une petite voiture comme ça là. Petite maison, voilà, un petit loyer, les gars, Charleroi. Même si c'est un peu baraqué la ville, mais bon, calme. 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 Plus moi, les gars, j'habite même pas à 5 minutes à pied du stade, les gars. Je peux vous dire. Oh, quoi? Ah ouais, meilleure offre possible. J'aurais pu économiser 900 000. Il a pris quel numéro? Il a pris le numéro 13, bien évidemment. Le pire numéro. Bon, on le met direction le banc. Et toi, la petite merde. On m'appelle Swiffer. Attrape. Oh, de belles perspectives d'avenir. On va lui mettre un bon numéro. Il va jouer beaucoup. Il consacre 64. Je lui mets le petit 64. Ah, j'ai pas lu. Je lui ai pas mis un plan de développement. Les gars, avoir un peu de belles perspectives d'avenir. Doit avoir un défenseur relayeur. Défenseur relayeur. Parce qu'il y a le but. Je le mets peut-être sur le banc. En vrai, les gars, on a meilleur. Wazinski, les gars, il va jouer, les gars, bien évidemment. Il a bon potentiel. Pézilé, les gars, je peux le. Littéralement. Bézilé. Littéralement, Bézilé. Déco, je sais pas. Oh! Oh! Les gars! J'allais oublier de mettre ma petite sœur Afia Guinea Guyane. Afia Guyane. Allez, go faire la première conférence de presse, même si c'est pas utile. Merci pour votre patience. Nous allons passer aux questions. Lutter pour chaque point, les gars. Lutter pour chaque point. Il a besoin de temps d'adaptation, les gars. Son nouveau club, une ligue qu'il connaît pas encore. Faut qu'il apprenne de ces trucs. On a besoin de renfort. Désolé, les gars, mais on a besoin de renfort. C'est tout pour aujourd'hui, mais. On va, hein, on a besoin de renfort parce que ils sont dans le dur cette année, les gars. Et je vous ai dit, ils sont 11e. Mais voilà, on est un champion. On est un champion, ça va être très dur. Ça va être très dur. Je pense, on va voir qui met les pénaltys pour là. Ah, Fenaghinan. Ouais, ben, je pense que c'est le meilleur qui fait des pénaltys, mais bon. Écoutez, on va jouer ce premier match. Je sais pas si on va s'entendre avec les mêmes maillots. Choix du maillot. Choix du maillot, je pense qu'ils vont jouer comme ça, nous on va jouer. Ouais, ils vont jouer comme ça. On est au stade du Pays de Charleroi, les gars. Désolé, mais on est à domicile et ils ont même presque le même maillot blanc. Pour dire. Oh, ils commencent déjà. On laisse les trucs commenter. On est au Sporting, les gars. Nous sommes à Charleroi, nous sommes à domicile. Allez, Charleroi, nous sommes les Carolo et nous allons gagner. Allez, allez. Allez, les zèbres. Allez, les zèbres. On dirait un gogol, mais c'est pas grave. Ils sont déjà en train de commencer à chanter. Wow, 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 wow. Les gars, c'est Filipe Chimadzou. Voilà.
Et les gars, il y a un joueur dont le banc c'est Noah. Comme mon prénom, du coup, je l'ai pris comme ça. Puis vu qu'il a un énorme potentiel, le petit Mbamba. On a quoi faire. Allez, Charleroi. Allez, Charleroi. Ah ouais, c'est Steven Defour, les gars. Les gars, on a Steven Defour, le coach, l'ancien joueur Defour, les gars. Il jouait, mais c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur de la Belgique, les gars. 2014, les gars, il joue encore. Attention, ils sont bons, Maline. Maline, les gars, ils sont très bons. Faut faire très gaffe à eux. Allez, les gars. Allez, Charleroi. Nous sommes les Carolles. Allez, nous sommes les Zèbres. Nous sommes les Zèbres et nous allons gagner. Nous allons gagner, les gars. C'est ce qu'on veut. Nous allons gagner. Et ils sont déjà en train de contre-attaquer. Ils sont déjà en train de contre-attaquer. On va commencer à bouger, circuler ce ballon. On est en 6 minutes, les gars. Du coup, on va circuler comme ça. Ils vont presser. Ils vont presser, les gars. On circule. Zorgan. Non. Zorgulizade. Voilà le premier match sous ses nouvelles couleurs. Une arrivée dans le secteur offensif qui va apporter un peu plus de créativité, de mobilité, de dangerosité. L'équipe avait besoin de... Allons, Néo. Et Bulgibom. Non, ça c'est un peu le chant des... Oh oui. Allez les Zèbres! Allez les Zèbres! Nous sommes les Zèbres, les gars. On nous a représenté le meilleur club, les gars. On veut gagner une Ligue des Champions. On part de très très loin. Allez. Aymans, Aymans, les gars, il est très lent. Très 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 lent. On va avoir des pépites petit à petit. Hein. Oh les gars, let's go, première grosse parade du gardien sur Joris. Joris, ok. Ok, sur Tchatchoua, t'as vu? Voilà, et Cook à la balle, ils vont être très bons parce que... Oh oui, oh oui. Oh là 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 là, Golizade, première grosse frappe. Il la méritera sur Tchatchoua, la frappe de... Je sais pas si j'ai mis les mains, Kayambe. Bon, l'arbitre intervient, c'est un coup franc. Le ballon sort en touche. Allez les gars, faut rester concentré. Première impression, faut marquer des buts. Faut marquer des buts. Ah, la frappe part plutôt bien. Let's go. Chouf. Là les gars. Et le poteau renvoie, ça joue. Allez, ça n'ira pas plus loin. C'était l'occasion de prendre l'avantage. Mais les mystères de la nature, la cage se rétrécit. Troy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 
Port jeu les gars, port jeu. Et le tir. On a testé, on a tenté des petits trucs. Wozinski pour payer. Blessure. On va le laisser. C'est blessé. C'est en direction de Verstrate. A une bonne circulation du ballon pour faire bouger le bloc. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, super, sans commettre de faute. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Les gars, je vais le sortir, il va avoir trop mal. Je vais le sortir les gars parce que il a beau forcer le petit Wozinski, mais c'est le moment pour faire entrer son Mbamba. Mon petit Mbamba les gars, faut voilà. T'auras du jus. Peu importe la distance, c'est cadré. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Voilà, c'est sorti sur ce tir-ci. Let's go. Des fours sur Tchatchoua. Et la récupération du ballon. Il est en retard. Il y a faute, mais il laisse jouer. Et le gardien s'illustre bien. Oh la faute, cette faute qui vient interrompre cette action. Oh, ça mérite quelque chose ça. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé. Moi je l'ai blessé sa mère. Chouffe ce qu'il aïe aïe. J'espère les gars, il n'y aura pas beaucoup de blessures. Hein. Ça passe très très loin du cadre. Parce que. Kiksnizevic pour Kambé, Mbamba. Perte de balle très dangereuse, attention. Voilà. Il m'arrêtera. Le gros joueur. Voilà Mbamba. Il faut que tu donnes tout. Hey, le ballon part bien. Ok. Pour l'instant, les gars, zéro but. Faudrait commencer à mettre des buts. Oui, voilà, ça combine. Oh oui, la frappe. Et c'est au fond des filets. Ce but pour se mettre en disposition pour prendre un ascendant psychologique. Les gars, non, c'est abusé. Kofi peut rien faire, les gars. Pour l'instant, le joueur, je le vois pas. Zorgan qui dégage Ngoy. Ngoy son tout premier match. Ngoy les gars. Allez. Le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Hey Mans. Voilà. Ce moment qu'on a un patron niveau défensif. Une minute en plus minimum. Ok. Oh, attention à ce centre. Eh oui, le bon oh, ça doit mériter un but, ça. C'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs bah ouais. Une vraie chance depuis un moment. Ouais, il était bon, il était bien mis. Corner. Voilà, c'est mal dégagé, ça. Attention. Oh, la frappe au but. Et le poteau remet le ballon en jeu. Mitigé, j'aurais pu mettre une grosse frappe sa mère. C'était Afena Guyane qui avait frappé. Pour l'instant les gars, première impression, hop là, oh oui. Oh, ouais.
on l'a vu sur le côté. Ah, le ballon circule très bien, on attend la frappe. But. Attention la frappe. Quelle occasion. Quelle Kofi, Hervé Kofi. Attention parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir Zorgan. Leur adversaire. Et la possession leur échappe. Ouais, excellent. Hors jeu. Du jeu. Ballon récupéré par la défense, mais méfiance parce que c'est dangereux. Ouais, bonne intervention là. Du nouveau du côté de Manchester United avec cette arrivée maintenant confirmée par le club. Tout le monde était un peu suspect. Kofi les gars, je vais un peu rager contre toi. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Et oui, le tir. Oui les gars, oui oui oui. Oui oui oui, premier but. Et Afema, Afena qui frappe. Ces nouvelles couleurs, c'est magnifique. Afena premier but. Première frappe, premier but. Quel beau but pour Afena les gars, on connaît sa vitesse. Ouais, voilà un buteur. Avec Badji les gars, j'aurais pas fait ça. Enfin, je pense que si, mais je ne sais pas. À 20h les gars, il y a un match. À 20h il y a un match, je vais lui demander pour regarder. Faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Et l'équipe récupère le ballon. Éclaté. Verstrate. Et la passe est complètement ratée. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. L'occasion de prendre l'avantage. Et un arrêt. Oh là là, quelle détente. Quelle détente du gardien. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Verstrat. Centre. Éloigne le danger sur ce corner. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Il va marquer. Il va marquer. Prend sa chance. Goal. Pff, c'est trop cheaté, power shoot. Les gars, power shoot, c'est trop fort. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Excellent tacle pour la récupération du ballon. Et attention à cette faute, comme dernier défenseur, ça peut lui coûter des ennuis. Pour moi, compte tenu de la situation des jeux, c'est un carton rouge sans hésiter. Mais voyons à ce qui va décider l'arbitre. Alors évidemment, on va pas refaire l'action. Emmans, éclaté. Emmans. À chier les gars, je vous jure, à chier. Emmans, pété. Surtout en position des dernières défenses. Aujourd'hui, il a l'air d'être de bonne humeur, l'arbitre. Il a envie de pardonner son geste au défenseur. Carton jaune. Oh, la tentative lointaine. Coup franc lointain et plutôt bien tiré. Il passe très près du cadre. Hein. La 7 distance, c'est déjà pas mal. C'est bien lui, sa bonne interception. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Oh là, et le ballon qui passe assez loin de la cage quand même. Cadrer le ballon plutôt que de jouer en force. C'était la bonne idée, mais il faut s'appliquer. Un peu de coaching avec ce changement. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup franc à suivre. Et le ballon rendu à l'adversaire. Ouh, la faute et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre.
Et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention. Oui, c'est le règlement, c'est normal. Non, ça file vers le gardien, le ballon est mal donné. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oh, attention à ce ballon. Oh, c'est dedans, les voilà. C'est bon, c'est bon. Les gars, j'arrivera jamais en champion, les gars. 3-3. En champion, j'arriverai jamais. Je prends pas de plaisir, Serge, mais... Des petits buts, mais... Je gagnerai pas les matchs. Je gagnerai pas les matchs et c'est mort. Je vais rester en champion. Je vais rester en champion. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, les gars. Pardon. Hey, Mans, les gars, je le fais bouger. Je pense, les gars, on va acheter Travelo, une femme avec un cadeau. Collins. Gourpouze. Spatial Camara. Moukoko aussi. Quel crack, Moukoko. Moukoko, quel crack. C'est un joueur, Moukoko. C'est un joueur. Waterloo, les gars, je dois gagner, mais ils ont du Nasser Chadli. Hein. Là, ils ont du Nasser Chadli, de Cooper. Allez. Un zéro, oui. Pourquoi? Une minute après, il gagne. Bon, wesh. Il s'est rien passé dans tout le match, à part un Demzorgan qui, dès première action, qui marque. Rapport mensuel. Ok. Oh. Il va
être fort. Il va être tellement fort. Il va être tellement fort, les gars. Janssen et le rapport. Rapporte-moi des gros cracks. Je prends que les vraiment des monstres. Hein. De se mettre. Non. Il y a littéralement. Ça m'a pas fait rêver ce rapport. Ce rapport, il m'a pas fait rêver. Concours très. Travelo. Bravo petit. Contre le Standard, vraiment ce derby contre Charleroi. Ouais. Non. Oui. Je sais pas. Charleroi, les gars, on verra. Pour le premier épisode, les gars, on a fait quand même pas mal de trucs. Hein. Premier épisode, les gars, on a fait Mercato. Moi, je vais dire, c'est Mercato. Et là, prochain épisode, on va commencer à rentrer dans les gros trucs. En coupe, on va tomber contre qui en coupe? En coupe contre Anderlecht. Oh là là. En coupe contre Anderlecht. Ça sent pas bon. Mais moi, les gars, je vous ai dit, les gars, je pense que je vais me remettre en pro. Sérieusement, en pro, désolé, mais je sais pas jouer. Hein. En pro, je sais pas jouer. En champion, je sais pas jouer. Du coup, Anderlecht. En truc. On va voir. Pour l'instant, dans le centre de formation, on a une grosse pépite. C'est Jens Hansen. Hansen, comme ça. C'est quoi le coup d'un joueur du centre de formation? Comme ça, au moins, on a un petit crack. C'est un Norvégien, 15 ans. C'est bête qu'on sait pas voir. Par contre, voilà. 70 kilos en défense. C'est plus un milieu droit. Comme ça, il sera assez polyvalent. Il reste combien de temps? 12 semaines. Ça finit dans 12 semaines. Il faut travailler la finition. Voilà, il faut travailler un peu tout ça. Hein, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Pour l'instant, au classement, on est quatrième. On joue l'Europe. On va voir qui est le dernier pour l'instant. Le dernier, c'est Malines. Non, le dernier, c'est Waterloo, les gars, ils sont dans la merde. Anderlecht, pareil. Ils sont une belle équipe. Courtrai, pareil. En vrai, je vais jouer ce derby contre le Royal Standard. On va jouer ce derby contre Standard. On va voir les équipes un peu, des équipes de trucs. On va voir qui on connaît tout. On doit être en composition. Pour tes compos. Notre étoile. Standard de Liège, ils ont 3 étoiles. Bruno. Voilà, le meilleur. Il faut dépasser Bruges. Ouais, ils ont des bêtes d'équipe, hein, mais je pense que dès qu'on va avoir une grosse équipe là, on va se mettre. Mais de manière, dans quelques saisons, ils vont progresser. Hein, s'il y a des petites pépites. Ils sont forts. Hein. Gant, la Gantoise, ils sont forts. Gang pareil. Courtrai, c'est pas mal. Courtrai, c'est pas mal. Ozone pareil. Waterloo pareil. Louvain pareil. Union Saint-Gilloise, il commence à progresser. Van Zer, Thomas, Newcops. On a perdu contre ça, les gars. Bon, on a une équipe pas énorme. Mais... Bismillah. Je sais pas, mais je vais jouer ce derby. Ben, dans ce mois-ci, les gars, on va jouer le Standard de Liège. Et on va jouer Antwerp.
Dans ce mois-ci, ouais, je compte ce ring. Juste ce ring, je pense. Je compte ce ring. Comme ça, au mois de septembre. On le... ben, on verra pour plus tard. Mais c'est déjà en novembre. En novembre. Et là, mercato d'hiver. On a combien de budget encore? Merde. 9 millions, oh ouais, on peut s'acheter encore un bon joueur. Moi, je veux m'acheter un bon gros milieu. Je vais tester un 7 millions. Je vais acheter mon... Ouais, j'arrive. Je fais vite ce négociation et puis Miriti est dans ma team. Mais je pense que il m'arrêtera les gants, on le vend. Littéralement, crucial direct. 5 ans, évidemment. Il y aurait. Allez, 6700. Quoi? Insultant! Je pense que je vais prendre Moukoko. Moukoko ou Camara. On va voir entre les deux, les trois. Je reviens les gars, je vais aller vite me laver. C'est insultant, mais vorace. Miriti, me l'a pas. Parce que les gars, je voulais un gros milieu, mais attendez, milieu on a qui? On peut acheter qui? En milieu, parce qu'il m'arrêtera les gars. Ça me saoule. Les canous, ça pouvait être pas mal. Camara, mais Camara il pouvait être grave pas mal. Et Moukoko, en fait on peut-être avoir acheté ces deux là. Ça pouvait être pas mal. Moukoko à Charleroi. Pépite. Les gars, je veux avoir la meilleure équipe du monde. Les gars, Charleroi. Allez Charleroi, nous sommes les Carola. Allez les Zèbres. Allez les Zèbres. Oh, oh. Je vous laisse sur cette belle composition d'équipe.
Bon. Ok. Écoutez, je vais faire ce match, puis on va arrêter là. Mais là, prochain épisode, on va commencer déjà à faire beaucoup de trucs. Allez, on va jouer contre... voilà. C'est du Davida, Amala, qu'on connaît bien, Raskin, Baudard, Baligusha, bon, attendez. Attendez. J'avais un site même. Attendez. RTL Sport. Attendez les gars, je regarde vite un truc. Aperçu. Je pourrais pas regarder ce match. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la question monte autour de ce match. Les deux équipes. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manque plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Direction la Belgique pour ce rendez-vous de Pro League, le Standard de Liège contre Charleroi. L'aventure commence de manière plutôt correcte pour l'équipe visiteuse. C'est cool les maillots. Ils les ont bien fait cette année, les gars. Je pense que je vais passer parce que on va passer. Ça va être le dernier match de ce live, puis après on arrêtera. Voilà, on arrêtera après ce match. Bien défendu, le ballon récupéré. Eh
Et j'aime pas Heymans. J'aime pas Heyman. Et j'aime pas Heyman. Oh, je me fais atomiser. Main. Quoi, mais l'arbitre revient donc à la faute initiale. Bourras. Voilà, c'est ce derby, les gars. Ce derby, faut le gagner. Je veux pas. Oh oui. Oh oui, mon gars. Oh oui. Pressing réussi, pressing payant. Aïe. Et c'est Bodor. Bodor qui. Bien défendu, ça. Une attaque et le danger se rapproche. Aïe. Position de hors-jeu signalée, il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand-chose, une, deux secondes trop tôt. Oh, le geste de technique pour surprendre l'adversaire. Ballon rendu à l'adversaire. Et qu'il est éclaté. Il est éclaté, man. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Et la passe dans le dos de la défense. Bon, frappe. Frappe de fou. Pépitasso. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Quel retournement. Bon, tire un petit tirage de maillot. Port-jeu. Bon crochet vers l'intérieur. La frappe de loin. Le tir en finesse plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire, c'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. Eh, ballon récupéré sur cette action. Eh, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. La transversale sur ce coup franc, bien frappé. Voilà un coup franc qui a failli faire moustique. Pardon, mouche. Ouais, bonne intervention là. Allez, faut que t'ailles dessus. Là, sur le côté. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Ah, de la parade du gardien. En fait, ils ont fait le maillot de truc, mais le gardien, ils les ont pas fait. Wesh. Ouais, c'est contré, bonne défense. Et le pressing sur le porteur. La bonne lecture pour c'est stopper cette offensive. Attention ce tir. Oh là là. On est au standard, les gars. Nous sommes au standard. Réussir à créer le danger sur cette possession. Oh, j'ai foutu une grosse frappe. Les chiffres des possessions sont intéressants. Écoutez, en quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude. Et le ballon frappe le montant, ça revient. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Comment ça va être cheaté, les gars? C'est mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là? Ils sont payés ou quoi? Mais regardez, là, il y a peut-être une nouvelle occasion qui se profile.
séquence de possession en attendant, en cherchant la brèche. Attention la frappe. Oh là là. Et oui, c'est au fond. Oh là là. Et cette rencontre est lancée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pétou. Allez, 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 allez. Bom. Le premier but de ce match, donc 1-0. Oui, les zèbres, oui, garçon. Premier but. Pour Golidadé. Wesh. Bon, y'a pas, et c'est Céline Mamala. Pour l'instant, et attention, parce que la prochaine, elle pourrait sortir le carton. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Choix, tu la remets. Chaque choix, la vitesse. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Allez, il faut la tenter. Ouais, bonne intervention du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, vraiment pas bien tiré ce corner, et donc ça ne donne rien. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Ah non, hors jeu, c'est sifflé. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. Ah, il est passé sur ce bon geste. C'était bien tenté, mais c'est sans problème pour la défense. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première. Ok, c'est 1-0 ça. Ok, 1-0 pour la mi-temps. Ok, au moins là on fait pas des scores de tennis. Ça va être cool. Mais quand on va avoir une grosse équipe, comment on va faire des scores de tennis? Vous allez voir. Ouais, t'as choix. Oui, déposséder du ballon à la régulière. Ouais, bien fait, il est passé. Il peut tenter sa chance. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Non confirmé par le club. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Attention, il y a un bon pressing. Ouais, bonne récupération du ballon. Ouais, la belle série de passes pour aller tenter d'égaliser. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Toujours ce petit but de retard. Face à face à négocier. Et voilà, un face à face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ah, bien frappé ce corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Et la frappe. Tire puissant, mais ça frôle le montant. Je vais mettre Nkumba, les gars. Nkumba qui va entrer.
Tapsoba qui rentre. Et Wazinski. La passe en profondeur, c'est dangereux. Bien reçu dans le dos de la défense. Ah oui, pour ce derby, les gars. Pour ce derby. Et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs. Bon. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ah, bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. Ouais, faire très gaffe. Ah non, il est perdu ce ballon. Et le contre est possible maintenant. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Oh là là, c'est vraiment Ok. Pour l'instant, clean sheet. Pour l'instant, un petit clean sheet des familles. Alors, l'arrêt de jeu. Ce qu'on aime. Ce côté, on l'a vu. Oui, la vitesse. Attention à ce tir. Oh, le super geste défensif. Ouais, super effort pour récupérer le ballon. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah oui, l'excellent ballon. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis dans l'opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Léger frémissement dans le public avec son corner. Un but maintenant permet de se remettre dans le match. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ce ballon est intercepté. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Rien de très difficile sur cet arrêt. Et c'est récupéré ça. Et ça peut être dangereux. Bonne intervention du gardien. Là. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Bon pressing, très bonne récupération. Et oui, un peu de magie dans ce match. Ballon rendu à l'adversaire. L'équipe peut jouer le contre. Ah, la défense peine à redescendre sur ce contre. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. L'arbitre indique donc le corner. Ah, il élimine son adversaire. Ah non, c'est contré. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Encore là pour contrer cette frappe. Oh. Et oui, Open Soul Derby face au Standard. Let's go. Philippe Chimazou. Let's go.
Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Tout simplement, let's go. On a été meilleur niveau tir. Du coup, 2-2, 2-1. Je sais même pas si on va faire que ça comme carrière. Je sais même pas si on va faire ça. Du coup, ouais. Ouais. Mais ouais. Pourquoi pas faire une petite dernière recrue ou quoi? Les entraînements ont fait que enfin que c'est fini. Karamoko, enfin! Enfin! Tu peux partir, frérot, je m'en fous. Comme ça, on en a un peu de thunes. Ok. On va voir ça après. Je sais même pas, les gars, qu'est-ce qu'on va faire comme d'autres carrières. Je sais pas. Déjà, il y aura cette carrière mythique. Du coup, les gars, on a Van der Voort, qui peut être pas mal. On a Bino Gittens. On a Aboulaye Kamara. On a Koulibaly. Je compterais plus sur un Moukoko en vrai. En vrai, pourquoi pas prendre un gardien? Je sais pas, peut-être mercato d'hiver. On va voir. Le match contre Courtrai, les gars, je jouerai pas. On le simule. Contre Courtrai, on simule. Ils ont du Dorian de Soleil, Courtrai. Du coup, Heymans, les gars, j'aime pas. Je mets un Moreau Cal en attendant. Je vais mettre Mbamba, pourquoi, pour faire un peu tourner. Ils nous ont bouffé. On peut le dire ce qu'il est. On est combien au classement? Je regarde, parce qu'on a 7 points. On peut être dans le top 5. Top 5. Je pense que. Je vais peut-être pas une qualif en Champions League. Offre de prêt pour patron. Venez là, on va arrêter là. Je vais aller jusque au match Anderlecht. Ok, plus 1 pour Aligolizade. Kofi plus 1. On est 5e, du coup, les gars, l'équipe, on se coupe sur ça. Mais l'équipe, les gars, je pense, Heymans, j'enlève direct. Je mets
Pourquoi pas mettre acheter un Moukoko? Ça fera bien, 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 bien devant, mais pour l'instant, je mets Ozen Zaidé. Et à la place de Ali Maritra, les gars, je mets Morioka. Et Bamba, je le mets à la place de Ksenisevic en attendant. Du coup, on se quittera sur cette belle équipe. On n'a pas de moins 1, on a tout plein de... On a un très bon tranchant. Sauvegarder, quitter, on va pas faire la connerie de ça. À écraser, et après, on va avoir des petites équipes. Je veux juste voir les équipes. Mode de jeu rapide. Coup d'envoi. Coup d'envoi, les gars. Coup d'envoi. Les bros. On va voir un peu les... Non, juste... Galatasaray, là les gars, c'est vraiment un beau projet en vrai. Galatasaray, c'est une bonne équipe. Ils ont du Mauro Icardi, Mertens, Achiquera, ils ont Mousselera, Gomis. Ils sont tous vieux. Hein. Ils ont du Mata, Demir, petite pépite. Ils ont plus rien, Nelson Boy. Je sais pas, parce que Galatasaray en vrai. Pouvait être pas mal. Et moi les gars, je vais vous laisser là sur ça. Prochain épisode, je sais pas qu'est-ce qu'on fera. Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Du coup les gars, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.